Bien-aimés dans le Seigneur, aimables auditeurs de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Notre service d'adoration de ce matin se poursuivra par le cantique « Au bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. » Nous trouvons ce cantique au numéro 188 dans nos chants d'espérance et 413 dans Sur les ailes de la foi. Nous chanterons debout la première, la deuxième et la quatrième strophe de nos chants d'espérance. Invoquons le nom du Seigneur par la prière. Ô Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, quel bonheur inexprimable pour nous de t'avoir pour berger, toi le Père tendre et secourable dont le cœur ne saurait changer. Depuis notre naissance et surtout depuis notre conversion, tu nous as entourés de tes prévenances, de ton grand amour et de ta protection
toujours sans nuage. Ce sont ces valeurs, ces bénédictions, entre autres, que nous sommes venus ce matin célébrer dans cette maison d'adoration. Accepte nos chants, Seigneur, nos prières et la méditation de nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous lirons alternativement les versets 1 à 15 du psaume 25. Et immédiatement après, nous chanterons gaiement la doxologie. Le psaume 25, du verset 1er au verset 15. Éternel, j'élève à toi mon âme. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Ensemble, je tourne constamment. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chaque dimanche matin, et notamment en ce dimanche, ce dernier dimanche du mois de juin, c'est pour nous un heureux privilège que de pouvoir laisser le train-train de la vie quotidienne en vue de venir dans cette maison d'adoration et de prière pour offrir à Dieu avec nos louanges, nos remerciements, notre adoration. Dieu a été avec nous, il nous a permis d'être sécurisés contre toutes les flèches lancées contre nous dans le courant de ces derniers jours. Et c'est encore à lui ce matin que nous sommes redevables du privilège d'être en vie et de pouvoir venir ici.
Nous souhaitons que le service matin, hein, pour nous-mêmes qui sommes dans le temple là, aussi bien que pour nous-mêmes qui suivent nous, la caillou, les vols à machine, un petit peu partout dans le pays, capable d'un sujet de grand enrichissement à tous égards, que la paix de Dieu soit avec vous tous. En ce moment de transition, nous sommes heureux d'avoir un groupe chantant conduit, dirigé par et préparé par le maestro Denis Altidor. Faisons donc silence en nous et autour de nous pour prêter attention au morceau qui va nous être offert. Vraiment un très beau chant que le groupe l'a offert le matin, hein? Non seulement exécution en Técorin, mais aussi les paroles. C'est un merveilleux jour lorsque bon Dieu entrait dans la vie moins par Jésus-Christ et puis il lui offrit moins un chemin éclairé, un chemin de lumière, un chemin qui a pour aller au bon port, qui a conduit au bon port. On nous applaudit le groupe là encore une fois. Donnons aussi des applaudissements au maestro Denis Altidor. Et mes bien-aimés, c'est pour nous maintenant l'occasion de nous approcher de Dieu par la prière. Et il y a un cantique que nous chantons souvent, il dit « moment si doux de la prière ». C'est un moment doux. Très souvent, nous n'avons pas senti douceur là parce que nous n'avons pas laissé quelques appels téléphone de côté. Mais c'est un moment très doux. Pour qui ça? C'est parce qu'il rappelle nous que bon Dieu a pris soin de nous. Et pas ça? Là, prends soin de nous dans le bon jour, dans le chemin, jusqu'à la fin, il prendra soin de nous. C'est ça que fait Cantique l'a dit, sois sans alarme, sans frayeur,
parce que Dieu la prend soin. Qui la prend soin, nous, dans les jours de l'adversité, l'air nous décourager lorsque le lendemain, l'IAP attaque nous, bien le voulait effrayer nous. Dieu prendra soin de nous. Nous allons chanter le refrain du cantique. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi en vue de nous préparer à notre tête à tête avec le Père Céleste. De conversation intime avec notre Dieu et Père, nous aurons une pensée spéciale pour de nouveaux malades que nous avons assemblés. Et nous allons commencer par dire bon Dieu merci de ce que lui épargne la vie de ce Anthony Nitienne qui a eu un accident dans ce maintenant. Il a frappé machine là, écrasé totalement. J'ai un dit total loss, mais il a eu une vie ce Anthony avec famille qui a eu une machine là. Nous allons dire bon Dieu merci pour ça, mes bien-aimés. Nous avons aussi une pensée pour frère Jean-Yves D, qui va bien pour lui opérer dans les prochaines semaines. Nous apprendre très tard hier que Marie-Sœur Ghislaine Calix lui fait un choc presque tout près de la Kaili et puis tomber. Elle est internée à l'hôpital alors que nous connaissons Madame Napapi bien basé ça. Nous allons continuer à prier pour Sœur Rosaire Simon, le pasteur Duval, qui m'a amené dans l'église là, t'es fait un. Un stroke tout dernièrement, lui parler, bon Dieu, rétablir-le, mais continuer en thérapie, nous va penser à Pasteur Duval matin en tout. Nous sommes très contents d'apprendre que Sœur Christine Dessiné fait accoucher très bien. Madame, nous sommes contents, les gens entendent une bonne nouvelle. Et nous va dire bon Dieu, merci avec famille ici là et prier pour que les jours qui viennent, soient capables de bien. Sœur Ghislaine Sylvain, t'es opéré tout, donc nous avons bon l'autre monde neuf, c'est pas ça? Et ça dit non que nous partons mon petit encore, c'est pour un petit l'église. Nous commençons grand. Nous avons tout le monde qui est malade. Mais nous savons, et vous le savez aussi, que la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Raison pourquoi l'apôtre Jacques nous demande de prier Dieu constamment. Car dit-il, la prière fervente du juste possède beaucoup de puissance, beaucoup d'efficacité. Chantons donc ce refrain, Dieu prendra soin de toi. Une fois. Dieu. Éternel, notre Dieu, notre mon Père Céleste, nous voici devant toi ce matin, une fois de plus, pour chanter ta gloire, célébrer tes merveilles, reconnaître ton autorité, l'excellence de ta personne, ta seigneurie sur le monde et sur les peuples de la terre. Quand tout n'était que masse, et vide. Tu as seulement parlé et le monde est venu à l'existence. Quand nous vivions dans les ténèbres, dans la rébellion, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui a accepté de
donner sa vie pour nous sur le bois infâme de la croix et à ce sacrifice, nous devons notre salut, notre justification. Et s'il n'y avait que cela, nous devrions passer le plus clair de notre temps à te louer. Et pourtant, tu continues à exercer envers nous ta miséricorde, ta bonté, ta fidélité. Dans le courant de ces dernières semaines et notamment de ces derniers jours, tu as été pour nous un refuge et un appui. Et ce matin encore, tu nous octroies le privilège d'être reçus en ta sainte présence pour t'adorer, te soumettre nos défis et aussi entendre ta voix. Hélas, malgré toute bonté envers nous-mêmes, Seigneur, every day we continue to sin against you. Every day we continue to anger you by our words and the behaviors that we select. This morning, O Lord, we come to your house in order to pray that you may forgive us, O Lord, so that we leave this temple with the assurance that we've been accepted, our prayers, offerings, and the meditation of our hearts have been agreeable to you. C'est chaque jour, Seigneur, que nous besoin une nouvelle parole de nous-mêmes. Bon, nos nouvelles paroles, ça, dans le monde troublé. Bon, nos nouvelles paroles, ça, Seigneur, dans un monde et dans un pays, côté virus, corona, ça, il va aller. Nouvelles, il pas bon pour nous, en Floride, il pas bon dans l'Arizona, il pas bon dans Texas, il y a un bon autre état que nous pas tant de parler de nous-mêmes. C'est cool, il y a la branchée, la caille. Venez donc, Seigneur, en secours, nous, bon, nos paroles de réconfort. Parole d'orientation pour que nous puissions connaître qui route nous devons choisir durant ces jours difficiles. Et malgré tout, Seigneur, nous avons des sujets de remerciement. Nous disons merci pour Sœur Christine, destinée, qui a accouché sans problème. Lui-même, nous recommandons lui-même avec Marie, avec Petite, là, avec toute famille, à vous-même pour les autres suites. Nous contentons que, malgré que Sœur Antonine avec famille frappée dans un accident qui est violent, mais au pas perdu un grain de cheveux, même si machine a crasé. Tout ça, c'est raison pour nous dire merci, même si nous avons demandé pour continuer à assister au Seigneur par présence. Nous recommandons à bienveillance de nouveaux malades. Frère D est pour lui opérer très bientôt, on va assister lui-même, Madame Ni avec toute famille. Non? Pour qu'il prouve cela, il n'est pas crasé Zelio, mais au contraire, il contribue à rapprocher d'eux-mêmes et à rapprocher l'un de l'autre. Donc merci pour Sœur Ghislaine Sylvain qui était opérée mardi. On va continuer le travail dans le corps, dans les yeux, pour que le rétablissement soit capable total. Ça va faire la joie de famille. On a prié en tout Seigneur pour Pasteur Duval qui a fait un stroke tout dernièrement. Prend soin de la Kaili, qui est dans la réhabilitation. Nous l'avons la main, ensemble avec toute la famille, Madame Nitou, qui n'est pas trop bien. Nous prions pour Sœur Ghislaine Calix avec Marie-Li, tous les deux pas bien, mais Marie a fait un choc qui fait lui dans l'hôpital Coulière. Continuez à prier pour Sœur Osère Simon, pour Frère Tanis, pour Frère Eric, pour Sœur Désilmont, qui n'est pas trop près nous, mais. Qui est cœur lui toujours attaché à la maison ça. Et combien l'autre monde n'entend pas Seigneur qui est malade, qui commence à avoir des symptômes que nous ne connaissons pas. Combien de monde qui est là au matin, mon Adonai, ou bien monde tout partout qui suit le service l'église baptiste Adonai là, qui a, si ce n'est pas un problème maladie, mais l'autre problème de famille, problème d'ajustement en société, de difficultés, de virus. Même qui est le Dieu de toute grâce excellente, le Dieu qui fait des merveilles. Venez donc, Seigneur, à secours nous et à secours de tout notre bien-aimé, c'est là, quel que soit côté où il est. Monde qui a donné, qui l'a caillou, qui a suivi nos coulières, sur réseau téléphone ou bien sur Facebook, et monde tout partout, aux amis qui choisissent l'église comme lieu d'adoration à distance pour prier ou pour entendre des paroles au matin, Seigneur.
Donc on chantait souvent que pas de chrétiens qui n'ont pas de problème, pas de monde qui n'a pas de problème. Et il y a un pile monde très loin qui mettait tant ça à part pour adorer avec nous-mêmes. En pile en pleurs matin, en pile en questions, en pile troublé devant les inconnus de la vie. Nous les recommandons, Seigneur, à ta bienveillance paternelle. Sachant que, comme nous le chantons souvent, il n'est pas de douleur que ton cœur ne partage, il n'est pas de maux que toi tu ne puisses soulager. Nous te prions une fois de plus, Seigneur, pour tout le monde qui est frappé par le virus, là, qui a ses travaux perdus, qui est malade, probablement car il y a dans l'église, là, mais il y a plusieurs amis tout partout, et sous tout le pays, là, et au-delà même de pays. Là. Qui en difficulté coulière. Nous l'aguions, mais mon Seigneur, nous connaissons que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ouvrez les portes, Seigneur, bah, il y a des signes à bien-aimer, si là, quel que soit côté, alors qu'un pile mon ap mourir à gauche, à droite, puis qu'à découvrir qu'on a un plan pour vous et qu'on a sauvé vous, pour que vous continuez à aller à le témoigner pour vous-même. Souviens-toi de notre pays, Haïti, avec son cortège de problèmes, de difficultés. Souviens-toi de notre terre d'accueil, les États-Unis, aussi bien que de tous les autres pays du monde qui luttent comme nous contre les effets de ce virus. Donne la sagesse aux chefs des nations pour qu'ils soient en mesure de prendre les dispositions nécessaires et communique l'inspiration nécessaire aux savants, de telle manière que dans un avenir un peu proche, un remède puisse être trouvé pour le soulagement des uns et des autres. Que te dirons-nous davantage, Seigneur, ce matin, que tu ne connaisses déjà, puisque tu connais les replis intérieurs, les replis de nous tous ici assemblés, aussi bien que ceux de nos amis qui nous prêtent attention en ce moment. Viens donc, Seigneur, selon ta parole qui nous invite à nous adresser à toi dans l'espoir que tu nous répondras, puisque nos prières te sont adressées au nom de Jésus. Viens donc, Seigneur, en ce moment même nous exaucer. Prête l'oreille à la voix de nos supplications. Au jour de notre délivrance, Seigneur, comme l'a dit David, nous te glorifierons. Si nous te demandons toutes ces grâces, ce n'est pas à dire que nous en soyons dignes, mais c'est sur la base de l'œuvre méritoire de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, mes bien-aimés, la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous partons après, mais regarde mon monde, vous me dites, je suis content aujourd'hui. Vous me dites, ça n'a pas joué, mais vous me dites, non. Il y a quelques mondes, même si vous mettez ma salle, qui a deviné, moi, ça n'a pas très bien, moi, c'est Emile. Et moi, Frère Vilus, là. Je dis, bon Dieu, merci de ce que vous accordez nos privilèges pour que nous vivons et que nous sommes capables de continuer à adorer les. Et nous voulons saluer tous les amis qui sont nous sur Facebook et plus tard sur YouTube. C'est vous fait un grand honneur lorsque vous choisissez l'Église, programme l'Église pour adorer le Seigneur. Et nous espérons donc que chant que vous entendez, surtout parole bon Dieu, capable d'adresser à vous-même très bientôt, capable d'édifier vous et capable de conduire vous à de bonnes décisions pour le Seigneur et pour vie par. On dit merci toi à toute fidèle qui n'est pas là, mais qui a accepté que vous avez venu, je nous ai appelé, je nous ai habitué à faire.
y a des gens qui sont contents tout matin. Il y a des gens, par exemple, qui parlent avec un moniteur hier après-midi. Le moniteur dit, mon cher, si ce n'est pas de corona, ça, demain, tu es classe, mais tu vas mettre des bâtons sur moi. Et le moniteur est là. Mais il me dit, bon Dieu, merci, je vais mettre corona, non, mais mon cher, il fait pas prendre tape. Donc, c'est pour demain, vous avez l'année prochaine, Dieu voulant, il y a plein de monde qui est content. Et moniteur, mais moniteur, ça a convaincu que tu avais le bon tape. Et mon Dieu, regardez la psou qui était dit presque, il dit pas ça, et nous, très contents, mes bien-aimés, que nous, là, nous vivons, et comme vous pensez, nous, toutes là, nous suivons nouvelles, nous avons des bagailles, des gens, aggravés, non? Qui côté? En Floride, ce n'est pas 9 000 personnes qui ont pris l'hôpital dans un jour. Il y a des plus que 9 000 personnes dans tout état. Donc, mes bien-aimés, prenez précaution. Ou même qui là, ou même qui là, qui ont pris nous, mon dans l'église là, aux amis tout. Et mon dans l'église là, en pile, mon a dit, pasteur, vous pouvez aller nous. On a pris les, mais il faut aller. Doucement, c'est un bâtard, mais convine là, puis demain matin. Demain matin, ou on va respirer. Donc, quand on fait ça lentement, tout dans mes maisons, bon Dieu, nous remets caille nous, nous avons la prière, puis nous prenons les précautions nécessaires, mes bien-aimés, lavez maintenant, mettez masque nous. Tandis que quelqu'un qui va mettre masque, pas occupé, non, papa. Mettez masque, même si vous n'êtes pas pasteur, vous ne mettez pas masque, mettez. Vous n'êtes pas cadérant, vous ne pouvez pas mettre masque, pasteur, président de l'école du dimanche, moniteur. Si c'est tout ça, mettez masque sur la bon pour vous-même. Et je vous dis, vous avant pays, vous avez dit, dans ce semaine, you can stay home, but if you have to go, don't forget your mask. Ça me donne des yon nan, ça me dit. Yon nan kasi la longtemps, ça me bien aimé. Kouren men yon moun ou pas, men yon moun ou de temps de se. Ça va, parce que yon konne pas se, mais yon konne pas se. Quelque l'autre docteur, ma konne, qui pas docteur nan branche ça. Donc, nous mette masque, non? Et c'est docteur Fauci qui a dit ça. If you can stay home, avoid the crowds. But if you have to face the crowd, go with your mask. Lavez maintenant souvent. L'église a chargé avec bagage comme ça en dedans. Nous espérons donc que bon Dieu qu'il y ait nous en vie, nous-mêmes qui sommes dans le temple, ou même qui pas qu'à la matin, et que les nous rencontrer, eh bien, c'est va joie. Comme on se dit déjà, sur Christine, destinée à faire petite ligne, nous sommes très contents. En nous ballons de votre bois avant encore, la là où nous, l'écran. Et Pasteur Duval, que nous prions pour le matin, nous avons nos téléphones, nous connaissons les malades, bien les gens dans l'église en général, mais ils ont des difficultés. On appelle pour les encourager, les gens qui ont prié pour lui, qui ont pensé à lui. C'est 786-416-4220. Pasteur Duval, 786-416-4220. Nous sommes très contents que ce soit là avec nous, monsieur ce soit là, d'après Chapoua. Nous connaissons la famille qui est morte dans la semaine passée, un frère. Donc, nous allons continuer à prier pour ce là. Nous comptons que bon Dieu ait la force pour qu'il soit capable avec nous matin. I tend to believe that today is Father's Day, but I have not heard anybody from this congregation say so. And so Yola who reminded me of that a few weeks ago has her own problem this morning. So Pastor Mario, bonne fête des pères. Tu me dis Pastor Mario, bonne fête des pères. Et mes bien-aimés, nous on est que c'est chaque semaine on a fait amélioration dans le système vidéo nous. Et encore une fois, nous les techniciens, merci de ce que vous mettez temps à part pour que vous capable là vidéo avec Santo. Nous avons un micro neuf là, un micro ça a calé tout le monde. De temps en temps, ronfler parce qu'il m'a dans pile maniement et technicien est venu là grand matin. Je suspecte que Frère Patrick entre là 6h du matin, d'après ça, je suspecte. Et ça veut dire travail, bon Dieu, pas fait sans tracas, sans effort. En nous, bah, technicien sonneux et en vidéo, un gros applaudissement pour le matin. Sous gardez là, où nous avons un réveil qui marque 21h04. C'est un réveil neuf. Mais qui est capable de contrôler à distance. Mais nous avons fait trois fois là. Donc, soit ça marque 21, pas mettez pour là sur 21, donc on sait, c'est manque de savon, pasteur, qui fait bail là. Beaucoup.
Mais ça vient, ça son don. Et c'est Frère Denis Altidor qui va nous donner. On dit Frère Denis, merci, mes bien-aimés. Et pour nous installer et puis changer quelques lumières à l'église là, nous avons remarqué toute lumière sur la plateforme dans la yo blanc, contrairement à la lumière en bas qui jaune, qu'à pour aller changer tout, m'espérer. Et bien, il faut le cas de travail hier, nos soleils très dur pour installer ni ça, ni lumière. Mais là, ça fait le bacavi matin. Parce que les mots, il faut le cas de là, il faut le cas de terre. Depuis, c'est la rivière qu'on est. À midi, à sous comme monsieur, dit Frère Cadeau, non, il faut que ça, il faut que monter plafond à 4 heures du matin. Et on nous dit Frère Cadeau, un grand merci. Nous voulons encore semaine ci là, dire merci à bien-aimés dans l'église là, il y a des amis que nous gagnons tout partout, qui supportent le ministère ça, la période ça, puis là, nous perdons du travail, nous, c'est très difficile pour nous supporter. Travail de Dieu, mais quand il y a un auto qui est un petit bagage, 2 jours, 3 jours, je ne parle pas avec mes amis, qui là, matin, il dit, c'est 2 jours de travail, hein? 2 jours, pour qu'une bonne famille paye tout le bill dans le pays, ça, c'est difficile, mais il y a un monde, malgré tout, que bon Dieu permet bon 3 jours, 4 jours, et qui voit au fond de nous, par la poste ou bien par présence, nous dit merci à Sœur Nelly Hong, Nelly Zéphirin Hong, Sœur Jacqueline Desormeaux, et Sœur Ismana. Sœur Ismana, son sœur qui fait opération. Mais il veut moins, il veut offrir quand même. Il y a des gens qui utilisent les ailes. Et chaque semaine, nous rappelons les ailes. Les techniciens, tout le monde, on rappelle. Il y en a des ailes qui permettent tout. Il faut chuter à la caillou. Pour qu'on s'en fasse, pour faire 2-3 mouvements. Et puis, il y en a des gens qui sont bons dans les ailes. Peut-être qu'après le marché dans la rue, puis l'autre mauvais, il dépasse. Et puis, ils sont là, ils ont décidé de faire pour faire les. Et nous disons, si leur merci. Nous avons Sœur Quinta Durand, Sœur Dieu La Sylvestre, Sœur Lucien Altidor. Frère Salomon Sénor, Sœur Caroline Monfiston, Sœur Lucien, est-ce que je me dis Lucien Altidor 2 fois chaque semaine, je fais ça, mettre au monde 2 fois. Et Sœur Judith Saint-Julien, Frère Louis Cota, Sœur Bouuni, qui est juste Port-Sainte-Lucie, comme nous connaissons, et Pasteur Fabolon Joseph, Frère Michel Telami, et nous avons Frère Junior Jean, qui est juste Sacramento. Nous sommes frères Junior Jean, sont membres de l'église, mais qui sont Sacramento, qui voient offrande pour nous semaine-ci là. Et nous avons quelques monde qui sont dans l'église là. Nous avons bon, frère moi, Daniel Nicolas, qui est New York, qui voient offrande pour nous. Nous avons frère Jimmy Inelus, qui vont deuxième fois pour nous. Phoenix, Arizona. Nous disons à frère Inelus, merci. Et nous avons un membre de la cité là, que tout le monde l'a fait habitué avec nous. Ça, son garçon, bien fille. Nous suivons. C'est Sœur Aline Duguaran, qui est West Palm Beach, qui chaque semaine, vous voyez une offrande pour l'église. On dit merci pour votre générosité. Et nous avons un ami dans la ville qui a visité une fois. C'est M. Princeton, donc c'est le last name. En tout cas, il y a un Primary Medical Care Center, un Urgent Care Clinic qui est sur 7e Avenue, là, dans 115-00. Il y a une offrande pour nous. Nous n'avons pas autorisé. Alors, personne n'a pas bonne autorisation. Non? Mais nous n'avons pas offrande pour les gens qui vont nous. Mais pour Princeton, nous voulons dire, vous voyez, au fond de $750 pour nous. D'ailleurs, moi, amen, bien aimé. The guy, he does not belong to this church. He came to this church just one time, once. And it seems to me that he was impressed with the ministry, the program that we've been offering. And he said to a friend of ours that he's paying attention to our services. And I'm going to reprendre encore. He's the owner and manager of Primary Medical Care Center and Urgent Care Clinic. Et nous dit à Mr. Princeton, un grand merci. Monsieur a probablement l'absu nous coulier sur l'écran aujourd'hui à ou bien l'autre jour. Mme, c'est un grand applaudissement pour nous. Ouais, que nous apprécions ça. Moi, je ne pas cacher tout. Si je suis dans l'église, et puis c'est bravo, ça me d'abord, je ne pas bien encore. Dis, Mr. Princeton, nous sommes au fond de nos bien-aimés. Dis ça pour moi. C'est tout à nous, ça, nous pour matin. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous allons maintenant passer les plateaux pour recueillir les offrandes et les dîmes apportées à la maison de l'Éternel. Et j'en ai fait chaque semaine, mes bien-aimés, depuis quelques temps. Nous avons 3 plateaux. Il y en a ici, par frère Francis. Il y en a à gauche, nous. Est-ce l'église là, par frère, petit frère. Et frère Émile, à plein mi-temps, de telle manière que nous n'avons pas gagné en pile marché. Et soit marché sous coin. Pas ça. Même si tu as tout pris là, on passe dans le coin pour capable porter offrande nous. On nous fait ça avec joie. Jean-Pierre Israël, qu'on fait. Et comment on fait ça avec joie? C'est là qu'on a chanté. Et maintenant, c'est le docteur Venant Servalis qui a accepté pour
diriger pour nous ce moment d'offrande et d'adoration. On dit à Dr Siavalis un grand merci. Et Dr Siavalis venant, comme nous connaissons, c'est un missionnaire. C'est au dernier moment que nous relayons parce que mon nom est gagné pour matin, il y a un empêchement de dernière heure. Le docteur venant de Siavalis, qui va jamais dire non à ministère de l'Église, là, il a accepté encore de nous contribuer. On a dit, docteur Siavalis, merci, mes bien-aimés. Merci. Et on nous campé, mes bien-aimés, pour nous adorer, bon Dieu, avec offrande nous, tandis que le docteur Siavalis a conduit nos chemins. Bon Dieu béni. Amen. Nous baillons bon Dieu gloire pour tout ça le fait pour nous, dès que li kembe nous, malgré tout ça qui a passé dans la rue, nous même li baillons nous grâce à nous capables la matin et puis nous pas capables de rester bouche pé. Nous dit pas ce nom, merci. Happy Father's Day. Thank you very much. That's the second person. Seigneur, moi quoi ou c'est bon Dieu. Oui, moi quoi ou à prier. Moi quoi ou t'es mouri et moi quoi ressuscité. Seigneur, moi quoi ou c'est bon Dieu. Seigneur, moi quoi ou c'est bon Dieu. Et moi quoi ou à prier. Moi quoi ou t'es mouri et moi quoi ou ressuscité. Oui, moi, quoi, c'est prince la paix. Oui, moi, quoi, j'ai tout pouvoir. Et moi, quoi, ou à prier. Oui, moi, quoi. Oui, moi, quoi, c'est mettre la vie. Oui, moi, quoi, c'est prince la paix. Oui, moi, quoi. Camper devant ton nom pour m'adorer, moi camper devant ton nom pour m'adorer, moi camper devant ton pour m'adorer, pas gagner. Pour m'adorer, moi camper devant toi, nous pour m'adorer, moi camper devant toi, nous pour m'adorer. Pas jamais gagnant le Dieu tant coup pour m'adorer. Papa Emmanuel, bon puissance non ou les matchs à virer, paré pour courir, ou même qui dans le ciel, moi même ici bas, les matchs à virer, paré pour courir, papa Emmanuel, bon puissance non ou les matchs à virer, paré pour courir, ou même qui dans le ciel.
Saint-Esprit ou prie plus fort. Béni moi avec Saint-Esprit ou li mérite béni. Béni moi avec Saint-Esprit ou bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Ou levez mon lait et ou potez fado. Docteur Venant, Servalis, encore une fois, merci. En nous baissant cette tête, vous nous priez profondément. Oui, sois seul camper, mais faut faire exercice. Maman, c'est chita, on fait déjà, mais dans l'autre parole. Parce que quand on est dans le temps qu'on a, on va faire exercice. Celle ça nous fait, c'est. Et puis là, on va le travail. Donc, c'est. Chaque fois, ça nous passe, nous ne tirer pas de nous. Et chaque fois, il faut au go. Donc, là, on campe là, bien bon, mais bien. Donc, on fait chita, on va le camper encore. D'ailleurs, je fais deux, trois, l'autre annonce que je voulais ajouter rapidement. Je ne suis pas un professeur de masse, non? Il va domaine, moi. Mais je suspecte qu'il y a quelqu'un qui met masque, qui a fait boire avec masque là. Moi, deux mon assemblée qui met masque là en bas, n'est-ce pas? Si vous mettez masque en bas, n'est-ce pas besoin? Mettez-le même, vous avez vous sonnez qui voulait bailler ou bien qui voulait? Frère Maxem, il y a ma parole avec on est qui dit mon cher, nous bailler, mon gars, il est comme ça. Je dis, moi, nous connaissons quand même. Pas qu'il y a quelqu'un qui met masque là, c'est ça? Infirmière, docteur habitué avec masque, mais c'est l'hôpital qu'on mettait dans la salle d'opération comme des temps des docteurs, groupe d'attaque d'hier. Et bien, Raymond, Raymond, là, vous mettez pour préserver tête et pour préserver. Donc, mes bien-aimés, on nous mettait le net. Vous venez nous accueillir. Accueillir. On ne va ni bailler, ni prendre. Je vais ajouter un autre bagage que c'est un homme qui m'a dit ça.
parce que Mr. Princeton, c'est pas un membre de l'église alliée, son businessman. Et très souvent, nous fait face à la situation où nous avons besoin de caille ou parents qui sont grands. Et caille, côté qui prend soin, souvent nous avons prendre soin. Et Mr. Princeton, les propriétaires de Home Health Agency, Urgent Care et Clinique. Donc, c'est un monde que nous devons soutenir parce que le proverbe a dit. Comment on dit encore? Mais allez, mais venez. Donc, nous, même qui la matin, ni l'autre monde a donné à Yokupia là, nous souhaitons retenir un nom si là, nom de Monsieur Princeton, pas qu'à l'issue, tu as bien. Jean-Claude, c'est ça. Princeton Jean-Claude, et pas oublier, il y a Urgent Care, Home Health Agency. En tant longtemps, en pile, nous devons dire, nous allons voir le mais là, nous venons grand, nous ne recevons pas même causer, c'est pas ça. Parce que pas toutes les teams qui ont été bons dans le cas là, ni ou même d'eau. Il y a des teams qui ne sont pas dans Home Health. Les gens n'ont pas beaucoup de côté, Home Health, mais soit à l'autre côté qu'on connaît déjà, qui connaît eux. Donc, moi, réellement supporté le travail que M. Princeton Jean-Claude a fait. Parce que, comme nous sommes dit là, c'est mais aller, c'est qui a la caille. Là, c'est ici, parce qu'on pouvait dire qui a la caille grand-mère. Il y a des gens qui lèvent ici, ils ne savent pas qu'on est là, malgré le fait qu'ils font un bon temps de jeunesse ici. C'est qui a la caille? Et Gamel? La caille qui est. And before I do the reading and present some considerations that the Lord has given me for you this morning, I would like to make it plain that tomorrow, Monday, June 29, will be the birthday of my first granddaughter, Rose et Princia Le Grand. Get them the words, no. Princia Le Grand will have the celebration of her birthday tomorrow, and I would like you to remember that she is my first granddaughter. I have 5 grandchildren now. Last week, I had all of them in this temple. But the birthday of Princia Le Grand will be something special for our family to celebrate tomorrow. And I cannot invite you because I don't have enough space. But let us give Princia this morning a... Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Now, mes bien-aimés, n'a pas le fait un petit campé. Sœur Albert fait un petit campé, tout le monde campé. Un bon petit exercice pour nous, et bien ça. Sœur Annick là, campé. N'a pas ouvert Bible dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. On va lire à partir du verset 4. Jean, chapitre 4, à partir du verset 4. Et tout le monde joue Jean. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommé Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même,
ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Verset 28. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Amen. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ça nous sortit là dans versets 13 et 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, dans la vie de l'homme, il y a des rencontres qu'on fait qui changent toute démarche, peut-être toute perception même sur le monde. Il y a des rencontres qu'on fait qu'on ne peut jamais oublier, parce que la déterminant pour tout avenir. Et bien, rencontre là que Jean décrit pour nous dans le 4e chapitre, entre Jésus-Christ et la femme samaritaine, c'est une rencontre mémorable si là. Pour même qu'avait étudié la Bible, Pablo, c'est seul Jean qui racontait histoire cela. Et sous Pablo et tout, Jean a pour but de présenter nous toute histoire qui montrait que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Vous avez tout miracle que Jean rapportait nous, toute leçon, tout discours de Jésus-Christ, c'est côté qui a prouvé que Jésus-Christ est Fils de Dieu. C'est au même que Jean laissait pour nous-mêmes. Évidemment, tout le monde a réfléchi sur l'histoire de la femme samaritaine. Eh bien, il mettait accent sur la parole qu'elle dit, sur la réaction. Et c'est normal parce que la femme samaritaine est au centre du passage. Ça. Même sûr que si on avait t'es un privilège pour nous parler à Jean, vous nous demandez qui ça d'après lui-même, qui point dominant de l'histoire ça. Mais Jean t'a dit nous verset 26 là, il a dit nous, c'est côté Jésus qui dit je le suis moi qui te parle, ça veut dire moi-même c'est Messie. Il a bagage Jean t'est capable de dire nous lili dans verset 39 là. Côté lui dit on pile samaritain tendez parler de Jésus-Christ à travers m'a même vleré les femmes samaritaines, ancienne femme samaritaine, ça. Et ils viennent croire en Jésus-Christ à cause de ça que je te dis. Jésus-Christ servit avec, on demande de l'eau. Damnan fait. Que Jésus-Christ fait à Damnan pour qu'on puisse mener à de l'eau spéciale, ça. Étant en pile l'autre aspect dans le passage là qui intéresse nous, que nous pouvons attirer l'attention sur eux. Jésus-Christ tout dit nous là qui nous devons faire évangélisation. On va arriver là quand on nous dit, il faut appeler, on vient voir Jésus. On va faire ça. On va jouer dans mon travail demain matin, on dit, on va voir Jésus, on va accepter le prière au péri. Qui ça fait? Ou partie de l'histoire, mon nom, de voir qui est intéressé, qui est intéressé, et tant la prêter attention, et vous venez à conduire mon nom à message. Ça, et c'est ça que Jésus-Christ fait. De voir intention. Maintenant, mettez accent sur évangélisation, mais il y a trois moments dans la rencontre de Jésus-Christ avec cette femme qui méritait que vous avez maintenant nous prêter attention à eux-mêmes. Premier moment qui frappait, que je ne peux pas oublier, qu'on ne peut pas oublier, c'est que cette femme qui venait à Jésus-Christ, elle venait comme un monde qui est accablé, qui est méprisé par la société et qui rejeté même par concitoyens et qui n'a pas la paix intérieure. Verset 7 avec 9, dis-nous, c'était une femme de Samarie, une femme samaritaine. Qu'on voulait ou pas? Quand on sortit, il y a dit en pile de haut, et bien ça.
Son une fois me sorti Hong Kong, m'a pas entré aux États-Unis. Et l'aime paraît dans immigration. Et puis monsieur a dit "Where are you from?" Me dit monsieur "From Haiti." Mais moi tout le monde a passé. Monsieur répond il dit "Tahiti." Me dit "Non, Haiti." Monsieur dit "Why is that?" C'est Hong Kong loin. Et puis m'explique monsieur dit "Sir, stay here." Tahiti passé, mais monsieur Haïti nous tout près, mais sont l'autre monde que m'y est pour monsieur. Et monsieur qui est en dit, tonton Makoud, vaudouisant, vaudouis. Et monsieur dit, stay here. Il a fait l'autre monde passer. Parce que nationalité, c'est le premier élément capable de dire qui m'en ouye. Parce que là, dit son femme de Samarie. Et une femme de Samarie, son femme qui vient des traits, capable de marquer. Premièrement, son femme qui grandit dans la société, côté la femme, pas de importance. Je vous dis à mes bien-aimés, nous tous nous connaissons que la femme porteuse de même cerveau avec l'homme. Mais t'es quoi, il n'y a pas de penser que femme t'es un gros cerveau aussi là. Je vous dis à nous connaissons que à cause de don de transmettre la vie que bon Dieu bat la femme, elle est plus patiente que garçon, elle est plus supporte douleur que l'homme parce que pas bon garçon qui connaît douleur accouchement, excepté, je vous dis en Haïti, il y a quelques filles qu'on fait garçon après il est un peu accoucher, mais nous pas dans la science. Donc, dans la société que des femmes samaritaines, toute attention c'était sur la force physique, et c'est ça que fait l'homme est considéré comme supérieur à la femme. Et comme nous avons dit tout dernièrement, je dis à si on est dans l'église, c'est plus garçon gain ou péri. Parce que la femme, elle est plus courageuse, elle remet l'œuvre missionnaire. Et ça fait que dans toute gros l'église, il y a 40% de garçons, 60% de filles. Et malgré ces garçons mieux, on a plus vite 65-35. Non seulement c'était une femme, mais c'était une samaritaine. Une samaritaine. Et samaritain, c'était produit de relations d'amour entre juifs avec assyriens. Qui était occupé pays pendant Syrien, excusez-moi, qui était occupé pays pendant un certain temps. Juifs ont été considérés samaritains comme un qui vient s'en mêler. Et comme la majeure partie samaritains ont été dans l'idolâtre, donc juifs n'ont pas de valeur du tout. Et Jean 8, verset 48, dit nous, que lorsque mon Dieu a besoin de jouer Jésus-Christ, il dit est-ce que nous avons raison de dire que monsieur, ça sont samaritains vient, ça que le grand démon. Des bons samaritains, vous pensez au gain? Démon et mauvais esprit. Et sont ajoutés au fait que c'était une femme, deuxièmement une femme samaritaine, troisièmement son femme immorale. Eh bien, c'était grave. Histoire dit non que vienne prendre de l'eau dans le puits. C'était une tâche, travail de femme en tant ça. Et femme, yo était allé dans le temple, dans le puits le matin. Très tôt, ou bien tard dans l'après-midi, et on est en groupe. Oui, ça est en groupe, parce que c'est business de l'eau, il n'y a pas à l'occuper. Mais la femme samaritaine, elle parle en groupe, elle est seule, parce que derrière, fait de l'eau, elle a l'autre bagaille dans la tête. Il dit, peut-être là, tu as rencontré un client. Un client. Et ça fait, elle parle à Jésus-Christ, il dit, Jésus-Christ, je ne suis pas marié. Parce que, gros midi, ça, et sixième heure, la Bible a dit, non, midi. Il veut que si tu là, donc la poêle fait un. Il va faire, nous dit, et nous dit moi. Et puis, il court, il dit, il va gagner un mari. Mais pas qu'on a qui monde l'a parlé là. La parole à mon qui connaît. Toute bagarre de chaque monde sur la terre. Et mon nom dit, lui, Jésus-Christ dit, lui, ou bien raison de dire qu'on va gagner un mari. Verset 18. Parce qu'on a 5 déjà. Et si l'on gagne un. Et pas pour pas de saisissement. Femme, ça, c'est fait, mais bien aimé. Pour le journée au monde qui est capable de parler de tout, de qui mon lié, c'était une prostituée professionnelle et lié une profession dans une société traditionnelle. C'est pas un sujet de fierté pour dame si là. Il saisit, peut-être quelque chose, il pense que quelqu'un ne pas connaît. Voilà son inconnu qui connaît. Toute ville. Donc, dame, ça va pouvoir passer pour un deuxième moment après ce moment d'accablement. Là, va passer pour un deuxième moment. Là, va comprendre qui moun qui devant là. À qui moun les gars fait. Qui moun qui parle avec là. Là, va découvrir bien vite que moun si là, pas venu pour affaire. Moun si là, pas venu pour garder visage ou bien posture de femme. Il est venu pour la réparation de l'homme. Et c'est comme ça. Si après, un sujet d'étonnement.
Et pas lui-même seulement, verset 27 là dit nous, que les disciples arrivés, ils saisissent tout. Puis ouais, Jésus qui parle avec une femme. Et puis tu as attendu que c'était une femme samaritaine. Où est-ce que ça me remet, m'a parlé de Dieu, mais bien, l'aime tant de mon a parlé de Dieu. C'est qu'on pas qu'à fin comprendre bon Dieu net. Il y a des gens qui ont parlé de Dieu dans la télévision, qui servent avec même Bible, même, n'aller dans, même si pas dans même l'école, mais dans même type l'école. Ou même, mais qui est le monde dans le ciel? Et que vous descendez, puis vous parlez de Dieu avec tant de précision. Il y en a qui même veulent dire comme une chambre qui est dans le ciel. Là. C'est Blaise Pascal qui dit, sous comprendre bon Dieu là pas bon Dieu nous quoi. Phrase là, c'est un Dieu défini est un Dieu fini. Parce qu'on a défini moi-même, on a défini par nationalité, on a défini par profession, on a défini par j'aime parler, par j'aime chanter, parce que ce sont au moins, on n'a pas qu'à définir Dieu totalement. Sous qu'à définir, et bien c'est même mon avolier. Et c'est ça, la femme, on va le découvrir là. Là, on va le découvrir que mon avait là, que le pensée son homme ordinaire, qui vient chercher de l'eau, qui soif, eh bien, c'est le Messie. Jésus-Christ engagé avec la femme, si là, il y a une conversation, et dans mi temps conversation, Jésus-Christ dit, n'importe quel monde qui boit de l'eau, ça, qu'on vient chercher, la soif encore, mais monde qui boit de l'eau, que moi-même, moi, je vais le bail là, il n'y a pas besoin de soif, parce que de l'eau, ça, pour le transformer en source de l'eau, il va jaillir jusque dans la vie éternelle. Les filles attendent ça, vous comprenez toujours, non? Mais le temps de vouloir vivre non plus encore, il quitte couche, verset 28, là, il quitte couche, là, allez! Pour aller parler dans la ville là. Parce que là, il y a une source d'eau vive. Jérémie 2, 12, 13 dit, non, bon Dieu dit, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur. Car mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. L'homme m'a abandonné, bon Dieu, c'est la source d'eau vive que vous abandonnez. Et c'est de l'eau-là que femme samaritaine a rejoint, la source d'eau vive, qui a conduit le tout partout, qui a permis de baguer soif encore. Et c'est de l'eau-là, mes bien-aimés, que l'humanité a besoin. Durant la première moitié du XXe siècle, il y a un écrivain, poète, tout, aviateur, français, le Saint-Exupéry, qui mourit très tôt, avant 50 ans, lui dit, moi, raï période, moi, de toute force, moi, parce que l'homme, il a soif, qui semblait pas jamais capable de passer. Et malgré le poids de cette affirmation dans le 20e siècle, on a dit que le pas de sens que le gain aujourd'hui, parce que si on l'a que l'homme soif, c'est aujourd'hui. En pile science, mais rejet de Dieu. En pile distraction, mais absence de morale, d'autres valeurs. En pile bruit dans le monde, mais pas gain bien-être, mes bien-aimés. Et c'est ça que fait cette société contemporaine, société qui gagne plus l'argent, parce que n'importe Saint-Exupéry, plus distraction, plus appareil scientifique, c'est lui-même qui gagne plus monde qui a tué tête. Parce que l'homme a soif que l'argent n'est pas capable de satisfaire, sport pas capable d'apaiser. Parce que l'homme n'a pas gagné la joie de vivre. Pour qui ça? Jésus-Christ a expliqué ça très bien dans Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vit pas seulement de pain. Si vous mangez 10 fois par jour, vous avez une télévision pour boire sport, vous faites sport même, vous pensez heureux et pas vrai. Parce que le cœur de l'homme, il est vide, et c'est Pascal qui te dit ça encore, vide ça, il est la forme de Dieu. Si tout le temps, mais Dieu là-dedans, pas gagné la joie, pas gagné plaisir, pas gagné la vie. Content de ce que nous venons de l'aussi là. Je suis content de ce que nous venons de l'aussi là, qui fait nos cadis. Alléluia, moi je viens de Jésus, que je t'ai cherché. Hein? Jésus satisfait tout le cœur. C'est pas belle bagaille, mes bien-aimés. Non, le monde, quand on ne va pas gagner l'argent qu'on l'autre, on ne va pas gagner plaisir qu'on l'autre, on ne va pas gagner caille qui impressionnante qu'on l'autre, mais on a une bande de bagaille qui ont pile monde bagaille. Est-ce qu'on est maintenant tant qu'on a ça qui parle long, non? Le monde est dans cette tête, oui. Les gens qui sont dans le parce qu'ils pas capables de résister devant la pression de virus là. Ou avec nous exposés à même virus là. D'ailleurs, nous avons plus de gens qui sont malades qu'il y a plus d'attaques dans l'État que l'autre côté. Mais nous avons bien, mes bien-aimés, parce que nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ comme sauveur. Société noire, ça caractérise la société non plus, c'est plus maladie mentale. Pour qui ça? Parce que l'homme a soif, il pavlait. À étancher, à la paix et soif là,
dans seul l'eau qui est capable d'apaiser. Les hommes ont besoin de l'eau, ça, mes bien-aimés, si vous êtes capable, si vous êtes capable de ça. Matthieu 13, 46, 47 dit nous, il y a une perle, l'entendez, ou vend tout le bagage qu'on a pour aller acheter. C'est dommage. Ou pas acheter l'évangile. Ou pas acheter la réponse là. Cette dame accablée, premier moment, rencontrer un réparateur, deuxième moment, et là va arriver dans le troisième moment qui décrit dans verset 28 et 29, parce que là, dit nous, l'équité couche de l'allée. L'allée pour la caille. Là, elle dit, mon Dieu, venez voir un homme. Venez voir un homme. Venez voir un bagaille. Nom, non, c'est Jésus. Bagaille, là, c'est la paix. Nom, non, c'est Jésus. Bagaille, là, c'est réparation. Nom, non, c'est Jésus. Bagaille, là, c'est la vie éternelle. Il ne va pas l'empile, mais bien aimé. Deux, trois mots qu'elle dit. Il était dans WhatsApp, matin. Il était dans Facebook. Il était dans Twitter. 140 caractères. Peut-être moins. Un message qui te réécoute. Venez, ouais. C'est comme s'il le dit. Ça, tout le monde a besoin, moi, je viens. Vinou est un monde qui dit, pour ne pas quitter mon femme, fou, dans tant que on a. Vinou est un monde qui dit, que oui, un monde qui doit avoir un commencement d'anxiété, inquiétude, c'est-à-dire, les balles à faire commencer, mon paca qui était anxiété, là, il faut une fou, mes bien-aimés. Vous connaissez, dans la période-ci, là, et psychologue, conseiller ou en contact avec un bon monde. Et il y a un monde qui m'a parlé avec la semaine. Non? Mon nom dit, mon chéri, c'est le bagage qui fait pas comprendre comme si je me sentais coronavirus. Je me dis, monsieur, qui est-ce que vous dit, mon chéri, je ne pas ici, mais comme si je me sentais. Si dame, ça, il a dit, viens, non, 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 qu'a pour retirer. Qu'a pour retirer. Esprit ça, vous-même. Parce que le cas retiré, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui sont normales. Mais lorsque l'inquiétude là tombe dans ça, et ça va l'anxiété, ou malade, mes bien-aimés. Donc, il y a une peur de bagage qui va venir. Est-ce qu'on connaît que pendant trois mois, ça a des gens qui ont besoin de la rue? Les gens qui ont besoin de la rue, ils disent parlez parce que qu'on a tout partout. Oh, parce que vous dites que le cas marché. Les gens qui pensent qu'on a marché. Ils ont cherché tout le temps pour rejoindre nous. Viens jouer au monde. Et ça, dame, t'a dit aussi, tu as parlé, je dis. Viens jouer au monde qui est capable d'aider ou calmer l'esprit de terreur, ça pour rien. Il dit que lors de la période de pandémie, il y a tout petit bide. Il y a des gens qui ont marché, ils disent, pas bien manger l'autre semaine, pas bien médicaments, il faut acheter. Effectivement, les balles, j'ai fait commencer, mais bien aimé, qu'on les a longtemps lâché, parce que les gens ont commencé à habituer à ce virus-là. L'elle fait commencer, on va rajouter de l'eau dans la pièce maquette. Quel que soit quand on arrive, on apprend, c'est comme si de l'eau va le finir. Médicaments va le finir. Vive le monde qui a dit, suspend tout, blé terre, tout pour demain, parce que demain, il y a mettre lui, mais bien aimé. Faut faire plan, faut faire plan, faut préparer l'avenir, faut gagner assurance ou capable, c'est monnaie. Mais demain, pas pour vous, frère Maxime. Moi, je connais les gens qui tellement peur demain que ils semblent près de 50% de tout ça. Les gens qui sont chrétiens, qui baillent la dîme, mais qui disent mon cher, demain, je vais les petites responsables, je vais les tomber dans mes madames. Et puis on joue, on dit, fait passer le point tout. On parle de monde qui serre l'argent dans le caillou. Vous connaissez moins de trois causes. Il y a des gens qui sont tellement inquiétés au sous-demain, ils serrent l'argent dans le caillou, ils vont faire la banque confiance, ils vont faire une confiance, telle personne va faire confiance, et puis ils vont créer un bacaban. Faire béton. Quand on a des gens comme ça, on va essayer de faire tout ça capable pour quitter nous localiser, parce qu'en plus, nous sommes là avec moi-même, nous passons du même côté. Nex, ça a tellement peur demain. Qu'elle crase le béton la caille. Dans la chambre, non. Il fait donc caisse en fer. On va pas banaille. Et puis c'est là la plaque et l'argent pour demain. Parce qu'il dit, mon cher, je ne suis pas sous compte petit, l'aime grand. Madame Sam gagne là, son film, pas fin faire confiance net. Je ne suis pas sous compte, donc juste. Personne ne va connaître, monsieur. Il faut que madame la font vacances pour le cas où il fait. Bah, boîte secret ça. Mon connaît, l'homme, c'est l'homme. Et l'homme l'a pas confondu, ouais. Monsieur dit 11 ans, 1000 ça. Ils ont mis un riz. Quelques temps plus tard, ils ont mis un vin chef. Il était une grosse crise dans le pays Haïti. Crise là, à gauche, à droite. Il y a un gros chef Haïti. En plus, nous l'avons dit, nous m'a parlé. Il veut les monsieur, monsieur, sont citoyens qui n'ont aucune place dans le gouvernement. Il demande comment est-ce qu'il fait pour chercher. Il veut un gros chef chercher monsieur dans la machine.
Et monsieur mon allant en capitale. Et puis mon la parole avec là que monsieur tout monde la compte qui monde m'a parlé là. En pile on va de fête dans le monde ça. Et mon en dit où est nous barré. On va moi de nous payer. Je dis pas gagne rien. Mon en dit ou gon boîte en bas. Cabana. M'a voué quelque monde ensemble à la voix pour aller casser boîte là aujourd'hui. Si boîte ça vide. On entrave. Donc nèg la commence trembler devant. Depuis devant moun nan k'ap di ça et j'ai m'ap gade m'la en pile moun la gen les konn ki moun. Puis à la monsieur la Kaili. Yo fouye. Puis nèg yo prend gros, yo di mais 7 10 moun ki levé. Qu'est-ce là? Et puis monsieur allo osé mandé chef là, c'est prêt toi prêt chef là di m'dou m'besoin son vin le pain. Avant m'bay pou nèg là. M'prêté nan mais ou même pou m'prêté. Et puis quand yo sorti à qu'est-ce là monsieur? Je suis tombé, il perdit connaissance. Elle avait l'hôpital, il a réhabilité monsieur pour 2-3 jours après ça. Monsieur allé. Mais bien, il faut nous planifier pour demain. Parce que nous sommes fous. Nous sommes des êtres de raison. Mais pas quoi qu'on a contrôlé tout le bagage qu'on a fait demain. Si bon Dieu va avoir maladie pour maladie, pas qu'à prendre, mais bien aimé. M'a prêché un prudence. Tout le monde qui l'a comprendre que moi, c'est qui respecte la science, qui respecte l'éthique, qui respecte le règlement. Mais ou pas qu'à faire outre mesure au-delà de nécessaire, parce que demain, on n'est pas pour, c'est ça, dame Nandio. Dame Nandio, vini au monde qui a assuré demain. Vini, m'a mené, quand on monde qui a fait suspendre avec pensée négative, si là, il y a des gens qui ont marché dans la rue, il y aurait malheur tout partout, il y aurait la vie finie, il y aurait pas rien. Mais bien, diaba, arrière de moi, Satan. Un autre dit arrière de moi. Petit bon Dieu. Pas capable de passer vie ou à penser à mal tout le temps. C'est bon Dieu que papa offre Maxime. C'est bon Dieu que maman ou est obligé de dire maman tout. Sans pile là non. Qu'on est que maman a plus affection. Et bon Dieu l'a parlé à peuple Israël, il dit est-ce qu'on maman qui a oublié petite lui, petite que l'a baïté tétéa. Isaïe 49 verset 15. Est-ce que l'a pas pitié de fruits en terre lui et même les mamans t'a oublié. Et nous connaissons ça arriver seulement le monde malade, dans la tête. Moi-même, l'Éternel m'a oublié. Donc l'Éternel n'a pas oublié. L'Éternel n'a pas oublié. Nous fermons les portes, nous prenons des médicaments, nous mettons des masques, nous lavons les mains. Mais ce n'est pas dans ça, délivrance, nous, sécurité, nous. C'est dans l'Éternel, lié, mes bien-aimés. Allez! Allez, dis-moi ça. C'est ça, dame, nous dit oui. Vinoué! Yomoun. Qui répare, qui mette sous le monde, qui bon joie, qui bon sécurité pour demain, qui bon la paix. Oh oui. Non, ça, est-ce que c'est pas Christ lié? C'est ça, fille a dit. Et moi, je reste passage là. Qui dit non, messieurs et dames, yo, tendez parole, fille là. Et puis, y allez vraiment. Y allez. Et puis, Peter va le témoigner. Il dit comme ça. Nous pas râle, nous pas quoi seulement ce soir de dit non, mais nous-mêmes nous allons. Nous, ouais, verset 42. Et nous savons, tout le monde l'a songé, ça voulait, nous savons dans la Bible. Ça veut dire nous expérimenter, nous découvrir qu'il est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Nous avons une dame qui passait donc par trois moments, un moment d'accablement, de honte dans la ville. Et un deuxième moment, c'est là, elle rencontrait Jésus, il pensait son nez qui vient prendre l'eau. Peut-être son autre client. Il va le faire prier avec Jésus. Pourtant, il va le passer ensemble. Mais il découvre que c'est mon client, c'est le monde qui vient pour réparer, pour sauver, pour mettre direction à l'avenir. Et au troisième moment, dame ça, il tourne, il y a un monde qui a un témoignage, il y a un évangéliste, il y a un prédicateur. Et c'est le monde ça que vous avez nous rencontré. Il change nous. Il va changer, frère Maxime. Il répare nous. Il va nous la paix. On a un bagage que nous aimons avec Jésus-Christ. Avec bon Dieu. C'est le fait que même l'heure où on traverse ces moments difficiles, il y a force, mes bien-aimés. C'est force ça, oui. Pas oublier que je fonctionne avec un pile monde qui est dans la science. C'est force ça, oui. Un pile monde qui a un diplôme passé, qui a une réputation passée, qui a une position passée. Il n'y a pas de force ça, parce que c'est une force surnaturelle. C'est Jésus-Christ qui a baillé. Vous remarquez comment je cite verset ça souvent. Il y a un verset de prédilection. Bah, il me dit, va sur muraille là. Isaïe 40, verset 31, qui dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent.
renouvelle, qui ça? Mais bien aimé, gon force que bon Dieu baille, gon force que Jésus-Christ baille, gon force qu'on joue dans de ça. L'école va abolir, l'université va abolir, l'argent va abolir, réputation va abolir, position politique va abolir. Gon bagage surnaturel qui a passé dans la vie moins, dans la vie pas, tout le temps, qu'on parfois pas même qu'à comprendre. Et moi, les bagages, c'est leur intervention nocturne, opération la nuit. Lorsque moi avant, que c'est devant Corona, que c'est devant l'autre bagaille, n'a le dormi, n'a demandé comment demain on va aller, comment avenir on va aller, m'a travaillé 2 jours par semaine, m'a travaillé 5 jours, m'a gagné overtime, qu'on a 7 jours, côté moi, je ne l'ai. Et puis bon Dieu, après, ranger bagaille. Bon Dieu, on nous dit bon Dieu qu'on range, mes bien-aimés. Qu'on range, qu'on range. Qu'on range, oui. Et de l'homme dans la rue, ou qu'on va dominer, ou pas, quand on voit, je ne ressource là. Et puis bon Dieu crée une ressource. C'est là ça le met tout sous cœur au monde. Bon, pas si ça arrive, moi je viens souvent comme croyant, comme pasteur, comme chrétien, pas comme pasteur surtout, mais comme chrétien. Regardez là où on sorti la caillou, ou bien dans situation difficile, on va demander côté moi j'ai une solution ça. Et puis c'est là son ami téléphoné, parfois son monde l'église là. On va croire mon l'église va gêner, bien mon gêner ici à l'oué. On nous dit pas tout monsieur qui chiche, dis ça moi. Ou je le monde gêner ouais, va bien aimer qui relève. Qui nous passe, bon Dieu, met sous kem pour bon offrande, je dis. Qu'est-ce que je dis? Allons, bon Dieu, papa. Comment on n'a pas les problèmes? Parce que je ne suis pas capable de parler. Les problèmes faciles. Mais bon Dieu, frappez mon nom. Et le bon Dieu, mon sa courant. Il n'est pas capable de marcher, non, frère Maxime. Comment mon nom fait chier dans la carrière? Et puis ça, moi, le pense, ça, où le pense? Le Seigneur qui travaille. On dit le Seigneur qui travaille. C'est ça que fait le monde, je de l'eau, ça. Vous jouez la plus grande richesse. Ou bien la paix du cœur, ou bien tout ange que mon Dieu Kembe là, la préparons là pour le voyer à secours, à disposition. Et Bib moi en dit, et M. Bib Paul a dit ça tout, ange, est-ce que ce n'est pas des esprits que mon Dieu a utilisés au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreu 1, verset 14. Go bon ange là qui paraît, oui. Il est sur motocyclette. Il est sur motocyclette pour nous. Il y a un million de kilomètres par seconde. Il y a là, il attend. Qui s'attend? Il attend l'ordre de Dieu. Pour qui ça, l'ordre là? L'ordre là pour la délivrer, frère Jacques, frère Pierre, soeur Marie, pasteur Marie. Bon, on nous dit, bon Dieu, travaille. Et ça fait Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, monsieur, mon père travaille jusqu'à présent. Et moi, aussi, ma travaille. L'ordre, bon Dieu, ça fait ma action. Vous avez dormi en paix, oui. Pas qu'à chita la nuit, la minuit, ou pas qu'à dormir, ou calculer comment demain va lier, et si qu'on a passé pour nous, si qu'on a passé pour nous, on a vu une chèque. Mais si qu'on a un monde qui va y l'autre, qu'on a qui vous le virer tout autour de vous, il prend tout le monde, ou même vous comprenez. Ou pas qu'on remarque que, gagne de l'heure, on bosse vini, et puis mettez tout le monde sous slow, excepté vous-même. De vos expériences, l'aime de l'école, ça avec le temps, vous comprenez pas ici là, yo. Nous sommes en retour pour mettre là-bas une leçon que personne en classe ne va l'apprendre. Personne ne va l'apprendre. Parce que nous disons, question ça, nous ne pouvons pas apprendre. Nous mettons l'avenir lundi pour les réciter, pièce les pas réciter. La classe là, il y a 25 nègres. Même si on a une réputation très morale dans l'école, c'est mon papa, l'empile, c'est petit, c'est protestant. Pas c'est protestant, maman m'a dit, nous mettons en retour. Si on est là, pour 2 heures, la calé nous devant tout le monde. Donc, on parle en talent, t'es un peu abuseur, on parle en tête, donc, on peut bon, on va venir faire honte. Donc, on est discipliné. Mettre la relève, toutes 21 personnes qui sont dans la classe, pas carré. Et puis, dit Valsin, mène M. Charles en direction, dit directeur, il va étudier le son. Gonne qui dit, vous n'avez pas questionné Valsin. Je dis, Valsin, amenez-le. Mais bien aimé, c'est là tout petit bail, ça va bonjour. Là, ça me tombe, rien dans le cœur. Directeur. Je ne sais pas le son même là, mais l'éternel établit un caporal le matin. L'éternel, vous savez, c'est là pour bon Dieu. Vous savez, les petits bagailles. Vous avez devant le directeur, il a osé dire directeur ça tout. Le directeur, Valsen n'a même pas appris sa leçon, on n'a pas question. Le directeur dit, taisez-vous. Vous ne pouvez pas dire, parce que grand ange que l'éternel voit, vous barrez la colère là pour moi. On nous dit, allons, bon Dieu, papa. Mais lorsque je veux bon Dieu ça, on va le parler. On va le parler, on fait comme. Cette femme
samaritaine, et m'a obligé de cette ancienne femme samaritaine qui coulait à son prédicatrice, son monde qui a témoigné, et qui a cherché Facebook, qui a cherché YouTube, qui a cherché WhatsApp, qui a cherché Twitter pour dire, m'a mis mon nom comme moi réparé. Tout le monde qui répare ensemble avec femme, ça nous dit, moi réparé. De même nommer Jésus-Christ. Madame, nous de même nommer Jésus. De même nommer mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La voix chante un cantique qui dit Alléluia, moi joigne que longtemps. Nous jouons un cantique si là, nous avons 43 mélodies joyeuses, section créole. On va chanter premier, deuxième et quatrième couplet de cantique. Nous campions, mes bien-aimés. Et soit attendu ma distance, ou au gain Jésus-Christ comme sauveur. Devant accablement que monde ça a posé. Devant anxiété, devant tendance à dépression. Et le monde pour parler à vous de Jésus-Christ. Pour le faire rencontrer. Et puis, on va commencer une autre route, une autre histoire. Dans la vie. Mais nous chantons gaiement, mais comme on dit, je veux une Jésus, je veux une richesse. Là, oui. On répète, je veux une richesse. Vous connaissez l'offre, vous répétez, bah, ça, ouais, quelqu'un qui va croire. Parce qu'en pile, monde, nous, peut-être, quoi que richesse, vous dire. L'argent, mais il y a des gens qui ont l'argent pour dépenser. Il y a des gens qui ont point d'ailleurs. Ils ont l'argent, ils ont dit qu'ils ont l'argent là. Donc l'homme joue Jésus-Christ. Oui, on nous dit qu'il joue une richesse dans Jésus. Richesse qui satisfait dans moi. Richesse qui satisfait que moi. Alléluia. Toute la vie, moi. T'as cherché bah, ici là. 43 mélodies joyeuses. Toute la vie, moi. Alléluia. Allons dire Alléluia fort. Alléluia. Jésus satisfait tout cœur moi. C'est Angeline, chance à maman de croiser bras, nous frappe sous quoi. Là nous venons Alléluia, tout le monde fait mouvement. Deuxième couplet. Mangez le monde. Moi, ta pierre. Non, moi, t'es toujours. Alléluia. Alléluia. Oh, dernier couplet qu'on a parlé. Il dit richesse qui satisfait non moins. Parce que il y a des choses qui font que les gens sont tuer tête ailleurs. Et parce que vous pensez toute la vie à ces physiques là. Et vous mangez bien, vous boivez bien, j'en peux siré et sirénaï que vous dites mangeons et buvons. Quand vous mangez, vous boivez, vous mourrez, vous pensez ça seulement. Et puis, vous venez devant un carrefour que manger pas qu'à faire. Rien. Boire pas qu'à faire rien. Et contact pas qu'à faire rien. Relation pas qu'à faire rien. Et puis, c'est coulier. Nom qui frette, qui faible. Il pas qu'à porter fadoa. Et puis, vous faites tête mal. Ça fait moi avant, nous devons être près de Jésus. Fais ça, demandez nous. Fais ça, bon Dieu. Demandez nous dans la parole. Ou, mes bien-aimés, pour la fâcher avec nous-mêmes. Pour la retirer nous. Dans le tracas, dans la difficulté. Lorsque la difficulté est venue. Et encore une fois, si vous-même, qui suivez nous loin, vous avez Jésus-Christ là, relez au monde, par la veille. Un prédicateur tout près, un pasteur, un moniteur à l'école du dimanche. Mais relez nous ici à tous, vous voulez. On va parler avec vous pour que vous avez une richesse là. On va joindre dans Jésus-Christ. 305, 758, 1001. Que mon Dieu bénisse, mais bien que l'aide nous, quel que soit le problème, pour nous être attachés là, pour nous dire qu'on peut qui côté pour aller. Parce que là, vous mangez. Il y a un bois, mais il y a un bagage que l'homme n'a pas qu'à bailler, l'école n'a pas qu'à bailler, l'université n'a pas qu'à bailler, richesse n'a pas qu'à bailler, position politique n'a pas qu'à bailler. C'est ça où il y a la force pour résister. C'est dans l'esprit nous que bon Dieu travaille. Et ce n'est pas que Jésus-Christ a un responsable. Il y a une source de l'eau qui toujours coulé.
Il est nous venant au frère. Moi, tout le monde a souqué mieux. Ni soeur, deux, ni deux, moi, soeur, ni qu'est-ce tout le monde a souqué mieux dans le frère. Vous donnez ce manigre. Yon sous l'eau. Yon sous l'eau. Alléluia. C'est mon sang-prix et l'éclair à ses frères. Moi, nous allonger. Alléluia, alléluia. Alléluia. Moi, joignons Jésus. Que l'on trouve Jésus-Christ. Je vais vous refaire un bon coup pour quelques mondes, parce que moi, frère Albert, soeur Angeline, mon sœur va souquer mon nom, alléluia. Je vais vous refaire un bon ok. Est-ce que soeur Gesta va souquer mon nom? Je ne sais pas. Ok, on va prendre un refrain. Là, tout le monde a fait un refrain qui croit que délivrance, ça, c'est dans Jésus, c'est dans bon Dieu lié. On va souquer mon nom, alléluia, moi, je viens. On nous dit alléluia, moi, je viens de Jésus. Alléluia. Soeur Gesta. Que l'autant n'a moins cherché. Jésus, ça. Sois-moi-y, faut que tu me vois. C'est pas sans les points. On nous dit alléluia. Alléluia. Moi, je viens de Jésus. Je viens de richesse. Que mon Dieu a gagné. En pile millionnaire. Qu'a pensé au riche passé. Mais au nom de Jésus, nous avons maintenant au nom de Jésus, et puis il faut au nom de Jésus, je suis riche parce que ce n'est pas grand rien que je traversé pour Jésus-Christ par contre avec. Alléluia, alléluia. Que bon Dieu bénisse nous, mes bien-aimés, je vais pour une semaine prochaine, chaque semaine dans notre groupe, nous sommes. J'espère que bon Dieu bénisse une très bonne semaine et que pendant cette semaine, nous pas oublier que nous venons de Jésus. Il y a des lèvres à la carte pour nous-mêmes, j'en lié pour l'autre. Mais une prière que aurait en français oraison jaculatoire, on dit prière tout court. Deux trois mots. Seigneur, pas capable. Seigneur, sauvez-moi. Ou dit même devant boss là, qui a interview vous là, qui voulait vous aller. Pas qu'on voit que vous font faute en travail là. Un rapport pas faire ou bien pas wel. Ou bien oublier. M'a encourager infirmier bail mauvais médicament. Non. Mais pas faut que pas mauvais médicament tout. Donc on nous perd ce job là, il y aurait long jugement. Il y aurait long vers le fire. Ou en temps, et puis quand on chita, on dit Seigneur, c'est où mien? C'est où mien? Et puis bon Dieu fait ça. Parfois, il fait superviseur, il a oublié ça. Il dit, bon, que ma bonne l'autre opportunité. Parfois, il fait superviseur, quand il chita, il recevoir un appel. Oui, ben ça me pire, mais là, Jésus fait recevoir un appel. Qui ça le bail là, il va y avoir? Avant d'oublier que nous, il va y avoir occupation, c'est ça, oui. Il y a un autre bail pour aller au Kito. Bah, on doit le prier pour bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Peut-être chargé l'occupation, non? Mais nous connaissons bon Dieu au travail. Que bon Dieu travaille pour nous pendant la semaine, non? Et pendant toute vie, nous, à nos baisser tête, nous, pour nos prières. Et que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, notre Consolateur, soit et demeure avec nous tous, dès à présent et pour les siècles des siècles. Thank you.